they can come in here pretty quietly, pretty subtly, and steal a couple of enormous oaks like this, and it's entirely profitable for them. Nobody does anything to stop this. Nobody went to jail. So this is you? Yes. No, it's not the favorite name. That's what we got. John Wilson it is. We took off the plates. If they see the car, next time they can, I don't know, light it up. Yeah, that's good. Doing all right? Yeah. Yep. I have every day here 120 trucks. Day and night they're coming. So we are here very flexible. Doamne, stai lemn din parc național ilegal. Compania asta ne mănâncă. Compania asta ne fură viitorul, ne mănâncă pădurile țării, da? Testing, testing. We'll get Mario in here. If you have a problem in China that involves a legal issue, he can help you out. Je vous présente nos invités. C'est M. Olivier Descutter, je crois que vous le connaissez tous. Il est professeur de droit international à l'Université de Louvain et rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Et M. Samuel Kogolati. Bonsoir. C'est bon. Voilà, il est député fédéral du Parti écolo et un des initiateurs de la proposition de la loi sur l'écocide. Voilà, ça c'est l'écocide, c'est le thème de notre discussion. Je vais commencer directement avec une première question. Est-ce que ce film colle à la notion de l'écocide ou non, et quels sont les paramètres, si je peux dire, d'un écocide. Merci infiniment pour votre invitation. Et, je remplace la ministre Zaka Katabi, qui malheureusement n'a pas pu être présente ce soir, mais c'est un réel plaisir et un véritable honneur, en plus avec le professeur Olivier Descutter, de pouvoir vous parler ce soir d'un sujet qui réellement me passionne depuis maintenant plus d'un an au Parlement, et qui vise à reconnaître effectivement ce nouveau crime d'écocide qui aujourd'hui, à ce stade, à la fois de la législation européenne et belge, n'existe pas encore. Et donc en fait, nous visons vraiment à combler une lacune dans le droit actuel. Aujourd'hui, vous m'avez parlé de manière très, très ludique, mais le code pénal vous protège contre une agression physique en rue, vous protège contre la corruption, contre le vol, mais il ne vous protège pas encore contre la destruction des écosystèmes. Et j'ai entendu quelque chose de très important dans la vidéo. À un moment donné, c'est cette personne, cet enquêteur, se rend compte qu'avec l'état actuel de la législation, finalement, les violations très graves des droits environnementaux et cette destruction finalement d'écosystèmes qui sont majeurs, qui sont importants, que représentent ces forêts vierges et ancestrales en Roumanie ou par exemple en Russie, finalement cette destruction, eh ben, elle ne peut pas vraiment être réprimée, elle ne peut pas vraiment être criminalisée dans l'état actuel de nos lois. Et ça ne va pas. Ça ne va pas, il faut absolument changer cela. Je vous avoue que je ne m'y connais pas beaucoup en destruction des forêts et surtout dans tout ce qui est illegal logging. Par contre, j'ai un exemple en tête qui me vient quand je pense à la criminalisation de l'écocide, et je finirai juste par là, c'est la fameuse marée noire de l'Erika. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces côtes en Bretagne, complètement souillées de pétrole. Tout ça à cause finalement d'un énorme pétrolier, l'Erika, contrôlé par une entreprise que tout le monde connaît très bien, c'est Total.
Totel a été reconnu coupable, hein, coupable par la justice française, la Cour de cassation, et a dû payer une amende, tenez-vous bien, d'uniquement seulement 375 000 euros. Ça, c'était la partie au pénal. Et vous pouvez checker sur Google, c'est pas un mensonge, mais si vous regardez le chiffre d'affaires de Total aujourd'hui, c'est 200 milliards d'euros. Et donc, vous vous rendez bien compte qu'évidemment, c'est peanuts. Et qu'évidemment, avec une telle amende, il n'y a absolument rien de dissuasif. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous avons une responsabilité, à la fois morale, mais aussi politique, de faire évoluer nos législations pour aujourd'hui reconnaître la valeur intrinsèque des écosystèmes et de l'habitabilité sur la planète Terre dans nos législations, dans notre code pénal. Comment la Cour internationale pénale, à La Haye, peut intervenir dans ce schéma juridique pour donner une sorte de universalisation de cette loi contre l'écocide? La question du Bomir porte sur la Cour pénale internationale, qui est une juridiction qui a été mise sur pied par un traité de 1998 et qui fonctionne depuis 2004 et qui, au fond, a juridiction sur les crimes de droit international. Génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre en particulier. Et c'est une juridiction qui vise à permettre de poursuivre les personnes qui se rendent coupables de ces crimes de droit international que j'ai énoncés. Alors, il y a eu tout un débat sur deux questions. La première, est-ce qu'au-delà des individus, on doit permettre à la Cour pénale internationale de poursuivre des entreprises? C'est une question qui a été posée lorsque la CPI, la Cour pénale internationale, a été mise sur pied. Et finalement, la réponse a été non, parce que les négociateurs n'avaient pas vraiment le temps de se pencher sur cette question, et que tous les pays n'ont pas nécessairement dans leur droit pénal, comme en Belgique, la notion de responsabilité pénale des personnes morales, des entreprises. Et puis une deuxième question qui a été posée, c'était celle des crimes liés aux atteintes à l'environnement, ce qu'on appelle effectivement l'écocide. L'expression est plus récente en réalité dans la doctrine, mais c'est une question qui a été posée à l'époque. Et aujourd'hui, dans le statut de la CPI, de la Cour pénale internationale, il y a des références aux destructions massives de l'environnement qui peuvent avoir des impacts considérables sur la vie et la santé des personnes, qui, sous certaines conditions, peuvent être considérées comme un crime de droit international. Et il y a tout un débat entre juristes, hein, que je n'ai pas besoin d'évoquer ici, entre la question de savoir si on doit se pencher sur l'article 8 du statut de la Cour qui concerne les crimes de guerre ou l'article 7 qui concerne les crimes contre l'humanité. Je ne vais pas entrer dans ces débats, je dirais simplement qu'en 2015, la procureure générale près de la Cour pénale internationale avait annoncé qu'elle allait poursuivre en priorité les crimes de droit international qui passaient par des atteintes à l'environnement, l'accaparement de terres, la destruction massive des forêts, etc. Et on attend de voir ce que le nouveau procureur, qui s'appelle Karim Khan, qui prend ses fonctions d'ailleurs aujourd'hui même, va faire de cette doctrine. Mais je dirais que les espoirs qui sont mis dans la Cour pénale internationale sont quand même très faibles. Elle ne peut poursuivre que des personnes physiques, pas les entreprises. La manière dont les atteintes à l'environnement peuvent déboucher sur des crimes de droit international, c'est défini de manière extrêmement restrictive. Il faut que ça fasse partie, en gros, d'une politique délibérée visant à détruire les conditions de vie d'une population donnée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué à démontrer. Et donc il y a des scénarios, que Samuel suit de plus près que moi d'ailleurs, visant à amender le statut de la Cour pénale internationale pour inscrire un nouveau crime de droit international, le crime d'écocide en tant que tel. Alors je pense que les chances de voir cela déboucher à court terme sont relativement faibles, parce qu'il faut une unanimité de l'ensemble des États parties à ce statut, mais c'est un scénario qui est exploré et qui a le mérite au moins de faire exister le débat et d'inciter sans doute les gouvernements nationaux, chaque pays, à se poser la question de savoir si dans le droit pénal national, il ne faudrait pas inscrire le crime d'écocide. Je voudrais juste ajouter un point par rapport à ce que Samuel a dit en évoquant le combat qu'il conduit pour que la Belgique, dans son droit pénal, se dote de ce nouvel instrument. C'est qu'en réalité, l'intérêt principal
de passer par le droit pénal, c'est que cela permet de ne pas faire dépendre les actions visant à protéger l'environnement de l'atteinte à leurs droits que certains individus en particulier subiraient et qui permettrait à ces individus de réclamer réparation du dommage subi devant les tribunaux. Et c'est vrai que si on adopte cette lecture de la manière de protéger l'environnement, qui repose sur l'initiative d'individus affectés par les atteintes à l'environnement, on est très faiblement armé parce que, par exemple, nos belles forêts de Roumanie sont détruites de manière tout à fait dramatique et il n'y a personne qui peut se prétendre victime directe subissant un préjudice permettant de réclamer dommages, compensation du dommage devant les tribunaux. Par contre, là où des organisations non gouvernementales, des associations peuvent aller devant les tribunaux, demander que telle ou telle action illégale de déforestation, par exemple, ou de pollution cesse, en faisant appel aux tribunaux grâce à ce qu'on appelle l'action d'intérêt collectif, là, on a un outil qui ne dépend plus de ce que l'atteinte à l'environnement va affecter les individus en particulier, et c'est un outil qui peut être utilisé sans d'ailleurs qu'il faille convaincre un procureur de poursuivre, sur base du droit pénal, l'atteinte à l'environnement qui a été causée. On a eu d'ailleurs, à la fin du mois de mai, une action de la région Wallonne et de l'organisation Natagora, qui, devant la cour d'appel de Liège, a permis à celle-ci de reproduire cette jurisprudence ERICA, que les tribunaux français ont inauguré en 2012 sur les préjudices écologiques. Et donc, on a certains outils dans le droit belge actuel parce que les associations qui défendent l'environnement ont un droit d'agir en justice pour préserver l'environnement, si vous voulez. On a donc certains outils qui permettent de compenser les faiblesses de l'action simplement reposant sur l'initiative individuelle. Voilà. Et donc, c'est un droit un peu complexe. On a d'un côté les atteintes à l'environnement qui débouchent sur des atteintes à des particuliers qui peuvent demander réparation devant les tribunaux ordinaires. On a la proposition de Samuel Cogolati d'avoir le crime d'écocide inscrit dans le droit pénal. Et on a, je dirais, entre ces deux outils, on a l'action d'intérêt collectif entre les mains d'organisations non gouvernementales qui peuvent, en droit belge, agir en justice pour faire cesser certaines atteintes à l'environnement. Voilà, c'est une longue réponse à une question que tu n'avais pas posée. Merci, c'était très bien. Alors, pour que ça soit vraiment efficace, parce que vraiment pour que ça rentre dans la loi internationale, ça, il y a du temps qui va passer. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, par exemple, que l'Union européenne fait comme les États-Unis, par exemple, via leurs sanctions? Parce que je viens de Bulgarie, bon, je suis né en Bulgarie, et en Bulgarie, c'est la même chose qu'ici en Roumanie, même pire. Et récemment, les États-Unis ont proclamé des sanctions contre certaines personnes du gouvernement bulgare, extrêmement corrompu. Et d'ailleurs, ces sanctions, ça a l'air d'être assez efficace, dans le sens que ça bloque toutes les sociétés, aussi des parents de l'homme de pain qui sont liés avec ce système. Et, par exemple, la maire de Hong Kong, elle est sur cette liste de sanctions. Et donc, elle a dit qu'elle reçoit son salaire en cash qu'on lui amène à la maison parce qu'elle ne peut pas utiliser le système bancaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen que l'Union européenne ne peut, en plus d'un de ses membres, comme la Roumanie, ne peut exercer ce genre de pression, je dirais, directe et à court terme? Je dirais qu'il y a trois niveaux de combat, en fait. Et international, européen et belge, hein, au niveau domestique, au niveau national. Et je vais peut-être commencer par là parce que c'est le plus facile à comprendre. Et c'est vrai qu'on s'imagine souvent, tiens, en politique, au Parlement, tout est lent, tout dure des décennies, on fait des grandes promesses et rien n'avance. Mais je vous avoue que quand j'ai découvert ce concept d'écocide, alors c'est vraiment pas moi qui l'ai pondu, hein, simplement j'étais inspiré par des travaux académiques sur la reconnaissance de ce nouveau crime contre les écosystèmes, mais aussi par tout le travail de militance et de mobilisation, notamment du juriste comme Valérie Cabanès en France ou de Jojo Mehta au Royaume-Uni.
Et j'ai voulu finalement traduire cette idée en réalité politique. Et alors, j'ai commencé simplement en envoyant un petit email à la bibliothèque de la Chambre et je leur ai demandé toutes les fois et tous les documents officiels qui étaient parus à la Chambre sur la notion spécifique d'écocide. Ils ont pris un mois à chercher. Ils m'ont renvoyé, désolé monsieur le député, mais on n'a absolument rien trouvé. Il n'y a pas eu même pas une seule question parlementaire sur l'idée d'écocide. Alors je me suis dit, mais c'est génial. Ça veut dire que notre action est d'autant plus nécessaire et indispensable. Et donc on a déposé en juillet de l'année passée, donc ça fait en fait quasi un an, une résolution appelant la Belgique à prôner, à soutenir la reconnaissance du crime d'écocide dans ce statut de la Cour pénale internationale de La Haye dont Olivier parlait à l'instant. Et nous avons déposé ça à la Chambre et encore une fois, souvent on se dit on dépose des grandes idées comme ça, et là pour le coup c'est vraiment une grande idée, ça ne va jamais se réaliser. Et puis quelques mois plus tard, on négocie un accord de gouvernement et on décide vraiment, justement avec Zaka Katabi, d'en faire une priorité de gouvernement. On dit, si nous voulons participer dans ce gouvernement, nous voulons qu'à la fin de la législature, nous puissions dire à la fois, nous reconnaissons le crime d'écocide dans le code pénal, donc dans notre législation nationale, et en même temps au niveau international. Et boum, c'est passé. Génial. C'était la première fête. Et quelques semaines encore plus tard, en décembre de l'année passée, se retrouvent à la même table tous les États partis, justement, de cette Cour pénale internationale. Jusqu'alors, devinez quoi, seuls deux pays avaient osé prononcer l'idée de reconnaître l'écocide au niveau international. C'était les îles Maldives et le petit État insulaire de rien du tout, du Vanuatu. Deux États, bon, certes, intéressants, mais il faut bien l'avouer, diplomatiquement, pas si influents. Et puis la Belgique a, comme premier État européen, proposé justement à cette conférence des États partis en décembre dernier d'étudier la reconnaissance du crime d'écocide. C'était énorme, énorme. Partout dans le monde, on nous a regardés et on a dit wow, « Waouh, la Belgique est pionnière de la reconnaissance du crime d'écocide » au niveau international. Et il y a à peine quelques jours, on s'est retrouvé, je représente la Belgique à l'Union interparlementaire, c'est une organisation internationale dont on entend peu parler, mais qui représente tous les parlements dans le monde, et j'ai proposé de nouveau cette idée, que l'Union interparlementaire puisse prôner cette reconnaissance de l'écocide dans tous les parlements du monde entier. Eh bien, c'est passé à la quasi-unanimité. Seuls trois États se sont abstenus et pour le reste, tous les États ont soutenu cette idée. Maintenant, le travail qui reste à faire, c'est au niveau européen, tu as tout à fait raison de le dire. Ça, c'est un travail mené par la députée européenne Marie Toussaint en France, qui a lancé notre affaire à tous à Paris il y a quelques mois et qui maintenant s'active du coup plus tellement comme militante, mais plutôt comme députée européenne. Ce travail existe et il y a vraiment une voie et une opportunité vraiment de reconnaître aussi ce crime d'écocide au niveau européen. Et en tout cas, c'est le vœu du Parlement européen et déjà acté dans des résolutions qui ont déjà été votées et en même temps au niveau belge. Et ça c'est le gros boulot qui reste à faire parce que nous pouvons tout à fait décider en Belgique, entre nous au Parlement, quoi. Oui, nous décidons que les écosystèmes ont une valeur intrinsèque qu'il convient de protéger aussi avec cet outil pénal. Et c'est important, pas tellement pragmatiquement, de manière effective, pour, vous savez, créer un effet dissuasif pour ces énormes sociétés qui, aujourd'hui, bah, finalement, polluent et détruisent les écosystèmes, finalement, sans trop de... Voilà, sans être vraiment gêné, et en même temps aussi de manière symbolique, parce que finalement c'est quoi le code pénal ? J'en finirai là, mais le code pénal est quand même l'ensemble de ces normes sociales que nous décidons en communauté, hein. Ces normes-là ne doivent pas être transgressées. Et si elles le sont, eh bien, l'État se doit d'imposer effectivement des sanctions, voire des peines de prison, des amendes. Et je crois que c'est important que nous puissions, encore une fois, du coup, inclure ce nouveau crime d'écocide aussi dans notre code pénal. Je crois que c'est une évolution importante, vraiment, qu'il faut appeler de nos voeux au XXIe siècle.
Juste un mot en complément de ce que Samuel a dit concernant le niveau européen. C'est qu'une chose est de favoriser la reconnaissance du crime d'écocide au niveau européen. Autre chose complémentaire est de renforcer l'outil principal dont dispose l'Union européenne pour amener des évolutions positives, c'est de subordonner l'accès à ces marchés au respect de certaines règles qui évitent, par exemple, l'importation du bois qui ne répond pas à certains critères d'utilisation durable des forêts. Et l'Union européenne a une telle législation sur le bois, elle a une telle législation sur les minerais de conflit, hein, les diamants de conflit en particulier, mais pas seulement les diamants. Et malheureusement, l'Union européenne n'a pas une législation qui est en quelque sorte transversale, qui interdit toute importation de matières premières agricoles qui ne respecterait pas les standards environnementaux qui sont d'application au niveau multilatéral. Je le souhaiterais, je pense que ce serait possible et souhaitable que nos importations soient systématiquement subordonnées à cette condition, parce que l'Union européenne, c'est quand même 20% du PIB mondial. Les grandes entreprises multinationales ne peuvent pas ignorer le marché de l'Union européenne si elles veulent avoir une présence à l'échelle mondiale. Et si l'Union européenne était rigoureuse dans les conditions qu'elle met à l'importation en son sein de matières premières agricoles, elle pourrait, par exemple, lutter de manière beaucoup plus efficacement contre l'utilisation de pesticides ou contre, effectivement, la déforestation illégale qu'elle ne le fait à présent. Elle a quelques instruments, mais je le répète, ils sont insuffisants. Le monitoring n'est pas satisfaisant. Et on importe encore, par exemple, du Brésil, des quantités considérables de produits agricoles qui utilisent pour leur production des pesticides qui sont depuis longtemps interdits dans l'Union européenne pour leur toxicité, aussi bien pour l'environnement que pour la santé humaine. Donc c'est un autre outil dont l'Union européenne dispose, c'est les politiques commerciales. Maintenant, dans le contexte roumain, évidemment, la Roumanie faisant partie de l'Union européenne, ce n'est pas un outil pertinent, mais là, il y a effectivement la corruption et les lacunes dans le contrôle expliquent une grande partie du problème. Au niveau international, par rapport à la Cour pénale internationale, les noms qui sont cités souvent liés avec ce cours sont les noms de généraux serbes et des criminels de guerre serbes, mais qui ont été amenés là-bas par l'OTAN, comme ça. Voilà. Donc, imaginons qu'un jour, ça va rentrer dans les crimes internationaux, l'écocide, qui va assurer que ça sera appliqué, parce que la communauté internationale n'a pas une police, elle n'a pas des moyens pour officiels, je dirais, pour appliquer ces sanctions. Comment ça va se faire dans la réalité? Oui, mais donc... Je laisse les questions compliquées. Non, pas du tout. Mais c'est en substance, les États partis au statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale ont un engagement à coopérer avec cette juridiction. Ça veut dire que soit ils doivent poursuivre les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt, qui sont poursuivies parce qu'elles sont soupçonnées d'avoir commis ces crimes, soit elles doivent remettre ces personnes... Mais la Chine, juste une parenthèse, la Chine et l'Inde... Mais la Chine, c'est Samuel le spécialiste. ...ne font pas partie. La Russie et les États-Unis n'ont pas ratifié le statut de Rome. Donc pratiquement, le pays le plus grand du monde, le pays le plus peuplé du monde, le pays le plus puissant du monde, pratiquement, il ne joue pas dans le jeu. Donc voilà, ici, il ne s'agit pas juste d'une bagarre entre des clans, des pays, etc. Il s'agit de notre existence. Ça veut dire qu'on ne peut pas jouer le pourcentage dedans. C'est pour ça que je pose un peu cette question, parce que est-ce qu'on peut dépasser, comment on peut dépasser cette réalité-là? Bon, Lubomir, c'est une question importante, mais je crois que la réponse n'est pas dans le statut de Rome. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que cette question et le débat qu'on a ce soir s'inscrit dans un mouvement de société très fort qui consiste pour la justice de plus en plus à demander à la fois des gouvernements, des États,
mais aussi des acteurs privés, des entreprises, que celles-ci rendent des comptes pour les atteintes à l'environnement. Et ce à quoi on assiste, c'est depuis une dizaine d'années à une multiplication de procès, notamment en matière de changement climatique, mais ça va au-delà de ça, c'est les atteintes à l'environnement en général, qui sont les résultats d'initiatives, soit d'hommes et de femmes ordinaires, de citoyens et citoyennes, soit d'organisations non gouvernementales, qui utilisent la justice pour pallier, au fond, la paresse des États et leur prudence par rapport à la répression de ces crimes-là. Et moi, je trouve ça formidable. Samuel évoquait le travail de Marie Toussaint au Parlement européen. Donc, elle a, avec d'autres, conduit devant les juridictions françaises l'affaire du siècle, hein, qui a débouché sur une décision du tribunal administratif de Paris qui dit en substance « la France ne fait pas assez pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre ». Et c'est évidemment pas du gouvernement français qu'on aurait pu attendre ce regard critique sur lui-même. Donc, c'est très bien que la justice s'empare de ça. En décembre 2019, la Cour suprême des Pays-Bas a rendu une décision dans une affaire Urgenda. Une fois plus, des milliers de citoyens se sont unis pour demander des Pays-Bas qu'ils fassent davantage en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On attend pour, sans doute, les semaines qui viennent, une décision de la part de la justice belge dans une affaire climat entamée chez nous. Et donc, on a une montée en puissance de la justice pour compenser... je dirais, l'inertie des gouvernements qui sont toujours un peu comme Gulliver, enchaînés aux grands intérêts économiques qu'ils sont censés, par ailleurs, défendre au nom de la croissance, de la prospérité, de la création d'emplois. Et donc, moi, je trouve ça formidable et encourageant. Le droit pénal est une piste, c'est pas la seule piste, parce que les affaires que je viens d'évoquer, au fond, c'est du droit administratif, c'est du droit civil, mais les droits fondamentaux, les droits humains, les droits de l'homme, jouent un rôle de plus en plus important dans ces contentieux. J'ai vraiment envie de renchérir, et désolé parce que ma réponse précédente était super optimiste. Vous allez voir, on va changer le monde depuis la Belgique, ça va être génial. Depuis le Parlement belge, c'est incroyable. Et en même temps, ici, j'ai vraiment envie de nuancer très fort. D'abord, la Belgique, Vanuatu et les îles Maldives, il reste quand même un sacré nombre d'États à convaincre, c'est la première chose, pour pouvoir justement modifier et amender ce statut de Rome de la Cour pénale internationale. Deux, c'est vrai que des États très puissants n'en font pas partie, et tu as raison de le dire, la Chine et les États-Unis, ça pose problème, effectivement, pour pouvoir poursuivre les crimes commis, par exemple, contre la minorité ouïghour en Chine, au niveau international, mais ça pose aussi problème, évidemment, pour pouvoir poursuivre des crimes environnementaux. Et puis, troisième chose, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le statut de Rome ne reconnaît que ces crimes environnementaux graves dans le cadre des crimes de guerre, ça veut dire en temps de guerre, alors qu'on se rend bien compte que, là, ce dont nous parlions ce soir en Roumanie, la plupart de ces crimes environnementaux commis contre les écosystèmes le sont en fait en temps de paix. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important, selon nous, d'élargir le champ d'application de ces crimes environnementaux. Et en même temps, et c'est là que je me nuance très fort, et je crois en ce combat, vraiment, mais en même temps, ce n'est qu'une toute petite pierre à l'édifice de la justice environnementale. Ce n'est qu'un petit outil en plus, mais qu'il ne faut pas démesurer. On ne réussira pas tout via la criminalisation, via le code pénal. Je pense qu'on peut ajouter un effet dissuasif pour certaines grandes entreprises transnationales, et c'est là que je pense que le combat peut être utile et effectif. Mais encore une fois, comme le disait très bien Olivier, il y a d'autres outils juridiques qu'il faut pouvoir vraiment utiliser comme nouvelles armes aussi pour justement atteindre cette justice environnementale. Et en même temps, je vous disais, niveau international, et finalement la CPI, je vous en parle parce que honnêtement, je n'ai pas trouvé vraiment d'autres meilleurs forums plus efficaces. Alors oui, c'est vrai que ce serait génial de créer une cour pénale environnementale internationale. Oui, mais encore faut-il réunir toute la communauté internationale autour d'une nouvelle convention. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais voilà, c'était simplement un choix très pragmatique sur base de ce qui existe actuellement. Et la politique, c'est l'art du possible. Mais au niveau national, là vraiment, nous avons une opportunité historique de faire évoluer notre droit.
Et là, je crois, franchement, enfin, moi, je me considérerais vraiment comme chanceux et comme fier, comme satisfait, si à la fin de cette législature, on espère, on touche du bois que ça va durer jusqu'à 2024, si en 2024, on peut se dire, eh bien, nous avons fait évoluer notre code pénal et nous avons reconnu ce nouveau crime d'écocide. Juste une dernière question, très courte. Avec la pollution de l'Escaut de l'année passée, où on en est? Est-ce que ça avance ou... Honnêtement, je ne sais pas. OK, voilà, non, c'était une question juste. OK, ben voilà. Merci beaucoup, Samuel. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés.